Un des premiers livres chrétiens que j'ai lu lorsque je me suis converti au printemps de 1982 est un ouvrage que mon pasteur d'alors m'avait recommandé. Le titre du livre, c'est un ouvrage qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Le titre en anglais, c'est Rich Christians in an Age of Hunger. Les chrétiens riches en une ère de faim, de famine. Et l'auteur, Ron Sider, voulait démontrer que les chrétiens en Occident tenaient, contrôlaient, possédaient une majorité des ressources dans le monde, alors que la majorité du monde manquait de tellement de choses. Et cela nous donnait une responsabilité envers les gens dans le besoin. C'est un livre qui m'a profondément marqué au début de ma vie chrétienne. Et qui a continué à me façonner, je crois. Et lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on regarde les enseignements des Écritures, on ne peut pas ne pas transformer notre perspective du monde et la façon dont on gère nos biens, notre prospérité. On a à la fois le privilège et la responsabilité de gérer d'une manière qui va honorer le Seigneur et qui va bénir notre prochain. Dans la dernière édition de la revue Faith Today, qui est sortie il n'y a pas très, très longtemps, justement, une étude aux États-Unis vient appuyer le fait que les chrétiens, ceux qui ont une marche chrétienne authentique, vont être plus généreux pour soutenir des œuvres de bienfaisance. Cette étude fait ressortir, entre autres, que 95% des chrétiens pratiquants ont rapporté avoir donné une œuvre de charité au cours de la dernière année, comparativement à 51% des non-croyants. Presque le double. Presque 2 fois plus de chrétiens, 95% versus des non-croyants, 51%. Et aussi, les chrétiens qui donnent vont donner d'une manière significativement plus élevée que la moyenne des non-croyants, selon cette étude ici de la Société biblique américaine, les chrétiens donneraient en moyenne 5 350 $ versus 3 163 pour les non-croyants. Et ceux qui lisent la Bible, ceux qui méditent la parole de Dieu, c'est aussi une statistique qui fait ressortir qu'il y a un impact aussi sur notre libéralité. Donc, la manière dont on gère nos finances est une question qui doit concerner le disciple de Jésus-Christ. Absolument. Et on l'a vu dimanche, la parabole, pas la parabole, mais l'histoire de cette pauvre veuve, pas juste une veuve, une pauvre veuve qui vient apporter ses 2 petites piécettes, un montant qui est monétairement insignifiant, mais compte tenu de ce qu'elle avait ou n'avait pas, compte tenu de l'état de son cœur, Jésus a fait l'éloge de cette femme parce qu'elle avait tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait. Et c'est intéressant de voir ce que Jésus, alors qu'il sait que c'est sa dernière semaine, il est sur le point de donner sa vie, prend le temps de regarder comment les gens donnaient dans le temple. Pas seulement combien, mais comment ils donnaient. Donc l'attitude semblait être quelque chose qui touchait particulièrement le cœur de notre Seigneur. Donc on a vu ces contrastes, on a vu la réaction de Jésus. Est-ce que vous avez quelque chose dans ce texte-là ou dans le message qui vous a interpellé suite au sermon de dimanche? Oui? Parce qu'on est fou généreux, qu'on a des gros montants, qu'on peut se vanter et dire, moi, là, je te dis, Seigneur, je suis assez content que moi, je suis capable de donner puis que moi, je suis meilleur que les autres. T'sais. Je trouve qu'il y a une question. On voit l'orgueil aussi là-dedans, l'orgueil dans la capacité de donner, va avec l'orgueil qui vient, l'orgueil avec, là, t'sais. Fait que, c'est pas le montant qui compte finalement, c'est vraiment l'état du cœur. Et combien, non seulement combien on donne, mais surtout aussi combien on garde, hein, comment on C'est gère l'ensemble, c'est un ça. peu ça que le texte nous fait réaliser. Mais, Oui? Si. Jean-Pierre, est-ce que vous voulez dire quelque chose? j'ai pas écouté, je n'ai pas le dimanche, OK. je voulais l'écouter en radio, en rediffusion, mais je n'ai pas eu le temps. OK, d'accord. Mais d'une façon générale, là, beaucoup, quand on donne, c'est du superflu qu'on donne. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle, Oui. le superflu va faire la job. Mais des fois, quand là, présentement, je suis dans le superflu beaucoup. Et puis, mais
Il fut un temps où, des fois, ça faisait mal de donner. C'est ça. Et puis, c'est quand on sent superflu, c'est là qu'on se rend compte de la valeur de ce qu'on donne. Et puis, je pense que Dieu apprécie qu'on se mette un petit peu en danger aussi dans le don. Pourquoi? C'est lui pourquoi il faut Ah, trouver c'est un acte de foi. C'est un acte de il se foi, sert de nous, de confiance. mais nous, on se met en danger, on se sent en Oui. danger. Mais j'ai déjà vécu ça, et puis, mais j'en ai toujours eu par-dessus, par la suite. Voilà. Ça Amen. ne m'a jamais. Non, ça ne m'a jamais fait tort. C'est bon. Mais moi, je confirme ça. J'ai une amie qui arrive quand même assez serrée. Puis son mari, il donne tout le temps l'argent qu'il va payer, mettons, ses réparations de dos, la moitié de ci. Puis il est tout le temps en train de payer des affaires. Puis sa fille à lui, elle n'arrête pas de payer ses réparations de dos. Puis c'est beaucoup, beaucoup plus élevé, là, tu sais. Elle paye des affaires. Puis là, il dit tout le temps à ma chum, tu sais, n'arrête pas de payer. Elle dit, ben oui, tu passes ton temps à un moment donné, puis Dieu te l'entend. C'est te Voilà. l'entend, tu sais. À Proverbe 11, 24, 25, l'un qui donne avec largesse devient encore plus riche. L'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est vrai. Mais on voit cette loi spirituelle-là se voit dans la nature. Paul fait référence à ça. Celui qui sème peu, celui qui est prêt à prendre le risque, n'est-ce pas, de donner ce qu'il pourrait transformer en pain, en farine et en pain, s'il le sème, il le donne, il va avoir plus. Mais il doit vivre dans l'entre-deux. Voilà. Et il doit avoir la foi dans l'entre-deux. Avant la réalisation, Avant, hein? ça pousse. Oui, il y a un temps de foi, n'est-ce pas? En effet, en effet. Et je voulais faire ressortir, et je pense qu'on est tous d'accord, parce qu'il y en a qui peuvent Excusez-moi, Oui, Stéphane. Nina. Qu'est-ce que j'ai trouvé aussi très bien, qu'est-ce que tu as fait dimanche, c'est que tu avais aussi montré la générosité de Dieu. Il a donné son fils unique, c'est l'essentiel. Oui. Et j'ai jamais pensé de faire cette connexion-là avec les deux là, mais ça m'avait beaucoup touché. OK, merci. La générosité de Dieu, je pensais à ça, on parlait de ce que tu disais tantôt, Luc Joël. J'essaie d'imaginer l'équipe qui s'occupe de nourrir les athlètes à Paris. Pouvez-vous imaginer la complexité de nourrir ces milliers d'athlètes, hein? Il y en a qui sont musulmans, donc qui sont juifs, donc il y a des dispensations alimentaires particulières. Il y en a qui ont des allergies ou des intolérances. Bref, on peut imaginer nourrir des milliers d'athlètes d'autant de différents pays. Ça devait être une gestion incroyable. Je vous invite à lire le psaume 104, qui montre la providence de Dieu envers la création entière. Jour après jour, Dieu a organisé la création pour que des milliards de poissons, d'insectes, d'oiseaux, de mammifères, de toutes sortes puissent se nourrir jour après jour. Et cela depuis des millénaires et des millénaires. Dieu a fait tout ça. Il est admirable, remarquable et généreux et sage, n'est-ce pas? Le passage nous fait réaliser, la réflexion nous fait réaliser que nous sommes privilégiés, nous ici à Québec, hein? Clairement, clairement. Probablement qu'on est tous plus riches, comme je l'ai dit, que l'apôtre Paul l'avait été, ou que certainement le Seigneur l'a été, matériellement parlant. Donc, on est privilégié. Et avec cette bénédiction, il y a aussi des responsabilités. Qu'est-ce qu'on fait avec cette abondance-là? Le passage de Marc 12 nous amène aussi à nous questionner sur la notion de nécessaire, de superflu. Est-ce que le fait que Jésus fait la louange de cette pauvre veuve indique que tous les chrétiens devraient imiter la libéralité, la générosité de cette femme? De se débarrasser non seulement de son superflu, mais d'aller même d'être prêt à donner de son nécessaire pour voir à d'autres besoins ou pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est une nécessité pour tous? Alors, si on regarde certains des textes bibliques, ça semblerait aller dans cette direction-là. On pourrait parler alors d'une pauvreté volontaire. Non seulement une simplicité volontaire, mais une pauvreté volontaire chrétienne.
Une prière que très peu de chrétiens seraient prêts à faire, je l'ai déjà partagé ça, mais je pense que c'est bon de le rappeler. Il y a une prière dans la Bible que très peu de chrétiens veulent faire. C'est la prière du Proverbe 30. Je te demande deux choses, écrit l'auteur, verset 7. Ne me les refuse pas avant que je meure. Bon, c'est sérieux l'affaire, il tient, hein? Premièrement, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Amen. 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 Deuxièmement, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, et il explique pourquoi. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Pas besoin de lui, moi. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. C'est pas une prière que j'entends souvent. Hein? Donne-moi pas trop de richesse. Donne-moi pas de richesse, Seigneur. Pardon? Dans quel sens? Le sens que il y a beaucoup de gens qui vivent sur le bord de la pauvreté, mais qui ne sont pas riches non plus, et on est entre les deux, selon les jobs, les périodes de Alors, vie. ça, c'est au-delà de nos. Si c'est des choses qui sont au-delà de nos circonstances, c'est une chose. Mais quand c'est un comportement qu'on Mais le va. comportement que tu vas dire, merci Seigneur, durant toute ma vie, je n'ai manqué de Mmh, rien. voilà. C'est ça, parce que on est dans une société qu'on paye à droite, on paye à gauche, arrive ici, arrive ça, on ne sait jamais quoi, mais il y en a qui vivent dans l'abondance. Il y a beaucoup de gens que je connais, des chrétiens, qui ont béni les gens autour d'eux Oui. dans l'abondance. Ils ont vu les besoins, puis ont répondu. Mais aussi, il y a d'autres qui ont vu, ils ont lu, ils peuvent dire, merci Seigneur, j'ai manqué de rien. Oui. Oui. Ben moi, je peux dire ça. Amen. J'ai vécu simplement, et je dis merci à Dieu, j'ai manqué de rien. J'ai jamais manqué de nourriture, un lit, de la chaleur, dans un pays froid comme on a, j'ai jamais manqué de rien. Amen. Mais même l'abondance, ça peut être la petite bête noire de l'aliment. Parce que justement, dans l'abondance, on ne se rapproche pas tout le temps de Dieu, là. C'est un piège pour nous autres, l'Occident. Oui, alors c'est intéressant que tu dis ça parce que dans sa lettre de remerciement, hein, inspirée, qui est. En fait, Oui. il y a un texte que j'ai lu, ça fait longtemps que j'ai lu ce texte, c'est dans Jacques 1er. Dans Jacques 1er, et quand l'homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Et ça, et à un certain moment dans ma vie, je menais une quête d'accumulation. Un beau jour, tout a changé. Tout a changé le jour que j'ai appris à donner. Et ce moment-là, j'ai appris que je veux accumuler, mais je veux amasser beaucoup, mais pas pour accumuler. Je veux amasser parce qu'il y a d'autres qui sont dans le besoin et que Dieu peut m'utiliser comme outil pour Exact. venir. Et dans ce sens-là, je pense que pour le texte, il y a cet aspect que moi j'ai lu dans ce texte, c'est que quand Dieu nous demande souvent de donner ce que nous pensons qui est cher à nous. Quand ton amour est porté vers quelque chose, et si je te le demande, tu dis, c'est ça que je ne veux pas donner. Alors, est-ce une possession? Qui est possédé par qui à ce moment-là? Justement. Hein? Et dans le texte, et ce qui m'a marqué, c'est que quand on donne ce qu'on a, ce qui est de l'essence pour nous, on donne l'essence, ça veut dire que on donne ce qu'on a besoin, ce qu'on apprécie. Et ça, c'est le vrai don. Ça va au-delà de don matériel. Et quand on donne, quand on fait ce don, on fait un appel à Dieu. En tant que gestionnaire, quand tu donnes à Dieu ce que tu crois que tu apprécies beaucoup,
C'est un appel que tu fais à Dieu de te donner beaucoup plus parce que, au final, nous sommes tous des gestionnaires pour Dieu. Exact. Et ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. On va rendre compte. On va tous rendre compte à notre Seigneur comment elle a utilisé notre temps, nos talents, notre Justement. trésor. Oui. Et ensuite, Johan. Oui, moi, en parlant des offrandes, le sermon de dimanche dernier m'a fait réfléchir dans Genèse 4, la première offrande, la toute première offrande, celle de Caïn et Abel, qui dit que Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. On a le geste d'offrande, il y a déjà la qualité du donateur, parce que l'Écriture souligne un regard favorable d'abord Sur sur la personne, le Abel, donateur, et parce que ensuite sur le la don. première offrande, c'est le don de soi. Donc, le plus important dans notre générosité, c'est les dispositions, c'est-à-dire ce qui motive l'acte que nous posons. Si c'est pour la gloire de Dieu, l'Éternel agréera, mais si c'est pour un simple formalisme, je pense notamment à ceux qui donnaient leur superflu, c'est parce qu'il y avait un panier d'offrande et qu'il était demandé d'aller donner, donc il ne faisait que observer une formalité, tandis que la veuve a mis de côté quelque chose qu'elle voulait apporter à l'Éternel en reconnaissance. Donc, il y a cette disposition-là. Et que l'on soit pauvre ou riche, c'est pas la pauvreté ou la richesse qui compte, c'est vraiment le rapport que nous avons avec nos biens, parce qu'on se souvient qu'il y a des Job, par exemple, c'était un richissime, mais dans sa richesse, il craignait l'Éternel et il Voilà. donnait volontairement. Donc, ce n'est pas la notion de pauvreté ou la richesse, c'est vraiment la disposition, la motivation, ce qui nous pousse à poser l'acte. Si c'est pour la gloire de Dieu, alors c'est quelque chose de louable. Mais si c'est pour nous glorifier ou pour faire, parce qu'on nous a demandé à ce moment, ça s'écarte un peu Un exemple encore plus fort, et je te laisse la parole ensuite, c'est en actes 4 et 5, on a un Barnabas qui vend une terre sur l'île de Crète, je crois, et qui amène la totalité de la somme au pied des apôtres pour pouvoir aux besoins des saints. Et tu en as Ananias et Saphira qui font la même chose, mais qui font donner l'impression qu'ils ont donné la totalité alors qu'ils ont gardé une partie. Il y avait le choix de garder une partie, il y avait le choix de garder la totalité. Mais s'ils ont voulu paraître plus généreux qu'ils l'étaient, ils en ont payé un prix, le prix absolu. Oui, d'ailleurs. Oui, bien justement, là, pour surenchérir par-dessus ce qu'il vient de dire, c'est vraiment au niveau du cœur, justement, là. Tu sais, c'est pas notre argent, lui. Tu sais, c'est Dieu qui a créé cet argent-là. C'est Dieu qui nous donne cet argent-là en bout de ligne. Si on le voit d'un œil que c'est pas notre argent à nous, mais que cet argent-là appartient au Seigneur, on vient comme plus sensible à dire, je vais la dépenser pour telle affaire, telle affaire. Tu sais, c'est comme, moi, ces temps-ci, je commence à la regarder de cet œil-là, puis on dirait que ça paraît dans mes dépenses, quoi que ce soit. Fait que je vais être plus porté, mettons, à faire attention par rapport à cet argent-là. Tu sais. Ça peut être une façon de nous aider par rapport à ça pour donner. Puis aussi, ce que je parlais avec toi, Gabriel, tantôt, là, par rapport à la dîme, quoi que ce soit, tu sais, que ça soit pas comme un acte religieux. Tu sais, qu'on donne pas comme pour dire, ben là, je suis obligé de donner, puis que ça nous fasse mal au cœur de dire, je le donne. Tu sais, vraiment, de dire, écoute, au pire, tu es aussi bien de pas donner en tout cas. Tu es aussi bien d'attendre, puis de dire, gars, je vais donner, mais que ça vienne du cœur, puis que, OK, cet argent-là, l'idée de se mettre à risque aussi, je trouve ça bien. Tu sais, des fois, de tester un peu la foi, puis de dire, écoute, Seigneur, je vais donner plus ta foi-là, je vais être vraiment serré, mais montre-moi ce que tu peux faire pour moi. Tu sais, ça peut être un petit challenge de même aussi Oh, qui il y a aussi quelqu'un va être sur édifiant. Zoom, Carrie Lam. Oui.
Qui a levé la main sur Zoom? Ouvre le micro. C'est qui? Je crois que c'est moi. Juste ouvrir le micro. Celui qui a levé la main sur Zoom, ouvrir le micro pour pouvoir parler, qu'on puisse entendre. Ok, c'est correct maintenant. Oui, voilà, oui. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ok, j'ai écouté les interventions des uns et des autres. Mais ce que je vais ajouter, c'est que c'est bien beau de parler de générosité, mais tant que nous sommes encore en train de le dire de façon théorique, cela n'aura pas un sens. Il faudrait qu'on quitte de cette théorie-là pour passer véritablement à l'action. Parce que, donc je veux dire, on va dire, OK, il faut donner notre nécessaire, il faut donner notre nécessaire. Mais lorsque le moment viendra, on va se rendre compte que c'est comme si on va faire une rétrospection de tous les problèmes du monde qu'on a, que non, si tu donnes ceci, tu as telle chose que tu devais payer. Donc, pour dire de façon simple que nous devons demander au Seigneur véritablement de nous fortifier et demander le discernement afin que notre offrande ne soit plus, je vais dire quoi, que le fait que nous voulons donner quelque chose à notre Seigneur, que cela ne soit pas impacté par quoi que ce soit. Parce que si nous nous rappelons, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes des administrateurs. Et si nous sommes des administrateurs, ça veut dire que nous gérons ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Oui. Et par expérience, la parole de Dieu nous dit que lorsque nous voulons donner, nous devons donner sans murmure. C'est-à-dire que si je veux donner mon offrande au Seigneur, il ne faudrait pas que je médite, que je commence à dire que ah, si je donne ceci, si je donne cela, vraiment, nous devons donner librement. Nous ne devons pas avoir, je veux dire quoi, une contrainte de pouvoir le faire ou bien parce qu'on veut se faire voir ou quoi que ce soit. Donc, c'est Exact. la raison pour laquelle je dis, lorsque nous voulons vraiment donner, quittons de la théorie, passons véritablement à l'action. Et celui qui sème, c'est à son Seigneur qui prête, et cela lui sera remis au centuple. Moi, je l'ai expérimenté, et je peux vous dire que le Seigneur sait, il est souverain, et il fait toutes choses en son temps. Merci. Amen. Amen. Alors, je suis heureux de voir l'intérêt de ce sujet-là parce que ça fait partie de la marche d'un disciple de Jésus-Christ. La manière dont notre argent, tout comme notre temps, l'autorité de. Et c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Lorsque Paul est en prison à Rome, sous l'inspiration de l'Esprit, il écrit cette lettre de remerciement qui est l'Épître aux Philippiens. Et il termine en remerciant les Philippiens pour leur libéralité, leur générosité, leur soutien à plusieurs reprises. Et on se rappelle que la ville de Philippe était dans une province qui s'appelait la Macédoine, qui était une province pauvre dans l'Empire romain. Mais ceux qui ont soutenu probablement le plus l'apôtre Paul en tant que missionnaire, c'était les chrétiens de Philippe. Et il va dire ceci alors qu'il est en prison à Rome, n'est-ce pas, en attente de jugement. Il dit, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et juste avant ça, il dit qu'il a dû apprendre à dépendre du Seigneur, à apprendre à gérer non pas seulement la disette, mais aussi l'abondance. Philippiens 4, 12, il dit, je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris un apprentissage, même pour l'apôtre Paul, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, ajoute-t-il, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Et après avoir remercié les Philippiens, vous savez quelle promesse, qu'est-ce qu'il leur dit? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. La promesse du Seigneur est là. Elle est vraie. Et Fidèle. il est fidèle. Il est fidèle. Donc, nous, on fait quoi avec tout ça? Une prière en Proverbe 30. La parole de Jésus à un jeune homme riche, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et
Ou on a l'exemple d'un autre collaborateur, un autre collecteur d'impôts qui va devenir Matthieu, l'auteur de l'évangile de Matthieu. Il est dit en Luc 5, 27 que lorsque Jésus sortit, il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des taxes et lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. On a l'exemple des premiers chrétiens de Jérusalem qui vivaient une genre un partage de biens assez fort, n'est-ce pas? Acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Deux chapitres plus loin, chapitre 4, verset 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Le prix de ses besoins. Et cette vision-là, ces enseignements-là ont marqué l'histoire de l'Église. On a eu des mouvements et des individus qui ont saisi ces exhortations-là et ont décidé de vivre de cette manière-là. Le fondateur d'un mouvement qu'on appelle les Vaudois, un dénommé Pierre Valdo au 12e siècle, a été un riche marchand de Lyon. Et il a été frappé à la lecture de l'Évangile par ces textes-là, et lui a décidé de tout vendre et de donner ses biens pour répondre aux besoins des gens autour de lui. Il a financé une traduction de la parole de Dieu. On est au 12e siècle. C'est un précurseur de la Réforme. Ses successeurs, ceux qui vont se joindre à ce mouvement-là, vont éventuellement se joindre à la Réforme au 16e siècle. Mais donc Pierre Valdo, les Vaudois, les pauvres de Lyon ont saisi ces textes-là d'un appel à une libéralité et ont cherché à vivre ces choses-là. Un autre bien connu dans l'histoire de l'Église, François d'Assise, qui aussi venait d'une famille très riche, il a rejeté la richesse de la famille, la gloire du monde et s'est consacré à servir les pauvres parmi eux. Mais est-ce que ça, c'est des exemples pour chacun d'entre nous? Est-ce que le Seigneur s'attend de cela pour chacun d'entre nous? Non. 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 Zachée, qui est un chef de PSG, n'a pas été, on lui a pas exigé, Jésus n'a pas demandé de tout donner ses biens. N'est-ce pas? Et lorsque Jésus, s'est rendu chez lui, Zachée, l'Esprit l'a touché profondément. Et durant ce repas fait à l'honneur du Seigneur, il est dit ceci, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Un commentateur dit ceci, que sa décision va le faire non pas se débarrasser de tous ses biens, mais les gérer tout autrement que par le passé, le faisant aller dans le partage, soit par rétrocession ou générosité, bien au-delà de la dîme traditionnelle. Et l'attitude du cœur de Zachée est telle que c'était une preuve, un témoignage, une transformation intérieure et spirituelle réelle. Et c'est pourquoi Jésus a dit, lorsque Zachée a dit cela, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. En même temps, pour équilibrer les choses, on a acte 5, justement, Ananias, où Pierre lui dit, t'étais pas obligé de vendre, t'étais pas obligé de donner une partie ou la totalité, t'aurais pu garder tout ça pour toi, si tu veux. Donc, la possession, hein, le droit à la possession, à la propriété privée, était encore reconnu après ces événements-là. En acte 11, un prophète va de Jérusalem à Antioche, un prophète du nom d'Agabus, et alors qu'il est à Antioche, il se lève et annonce par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer, et on précise ceci, chacun selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée,
C'est ce qu'ils firent en envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Donc, certains avaient des moyens plus grands que d'autres. Donc, il y avait encore la notion de propriété privée, de moyens personnels. Certains avaient plus de biens, plus de richesses, plus de moyens que les autres. Donc, cette diversité économique existait encore dans l'Église. Qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, la clé maintenant était comment vais-je utiliser mes circonstances pour honorer le Seigneur. 1 Corinthiens 16 parle encore de cette collecte en faveur des saints et encore une fois, les gens sont invités à donner selon leur prospérité. Donc, encore une fois, cette variation était reconnue. Et donc, au-delà d'une tradition qu'on pourrait appeler une pauvreté volontaire, qu'on voit dans les Écritures, il y a une autre tradition qui existe, qui est celle d'une gestion responsable. Et on sait qu'à travers l'histoire, il y a des hommes et des femmes qui ont eu une capacité incroyable de faire de l'argent. Que le Seigneur a béni dans des circonstances ou des capacités pour prendre peu et le multiplier. Des entrepreneurs qui partent à zéro et qui bâtissent des empires. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils ont de plus grandes responsabilités et ils ont le privilège de pouvoir faire encore plus de bien pour le Seigneur Jésus. Et plusieurs l'ont fait et le font encore. Et ils bénissent beaucoup, beaucoup de gens. Donc, deux courants qui existent dans la Bible, ce qui fait dire un commentateur que la responsabilité chrétienne en face de l'argent doit donc être assumée aux différents niveaux de notre existence, qu'elle soit personnelle, ecclésiale, sociale et professionnelle, nationale et mondiale. Donc, chaque personne, chaque croyant, chaque disciple doit s'interroger à la lumière de ses circonstances et des principes de la parole, et comment il va les appliquer, comme le frère le disait, comment il va les vivre d'une manière concrète dans sa vie. L'Église Renaissance, en passant, en tant qu'institution, a choisi la question, la position de gestion responsable. On a eu des années où le Seigneur nous a bénis de manière particulière, l'année où on a terminé de payer l'hypothèque de ce bâtiment-là. Le Seigneur a ajouté des membres, des sympathisants, et les moyens de la communauté ont été au-delà des besoins de la communauté. Et on a accumulé des surplus. Et la question a été posée, est-ce qu'on ne devrait pas se débarrasser de tous ces superflus pour répondre aux nombreux besoins plutôt que d'en garder une partie? Alors, la réflexion a été faite en tant qu'Église et on a décidé de redonner une partie. On a donné des milliers de dollars à différents organismes et ministères chrétiens, mais on a aussi pratiqué la notion de gestion responsable. Et plutôt que de laisser dormir cet argent supplémentaire qu'on voyait, qu'on savait qu'on allait avoir besoin dans l'avenir, que ce soit pour payer un deuxième salaire, que ce soit pour peut-être acheter un autre bâtiment éventuellement, des projets qui commençaient à être sur notre radar. On a décidé de placer cet argent-là auprès d'un organisme chrétien qui, lui, prend cet argent-là et le réinvestit auprès d'autres organisations chrétiennes, d'autres ministères chrétiens. Et donc, notre argent, au lieu de dormir dans un compte en banque, va bénir d'autres ministères chrétiens. Et entre autres, une partie de cet argent-là s'est retrouvée ici à Québec, à l'école chrétienne Louvive. Lorsqu'elle a fait ce projet d'agrandissement, elle a sollicité cette organisation-là que nous avons, là où nous avons placé notre argent, et ils ont pu bénéficier je pense, c'est 100 000 $ pour construire une partie de leurs nouveaux locaux. Donc, notre argent a béni et l'argent de plusieurs autres chrétiens à travers cette organisation-là. Donc, ça, c'est une autre image d'une gestion responsable. Qu'est-ce qu'on fait avec ces surplus? Donc, on a différents modèles, ces deux modèles qui sont là. Et pour nous, c'est d'être essentiellement des gestionnaires responsables et de viser un équilibre. Le réformateur de Genève, Calvin, disait ceci: il ne s'agit pas de dissiper ses biens, ni de les do laisser dormir par négligence, mais de les faire fructifier pour faire vivre sobrement notre famille et au-delà d'elle, les autres, spécialement les pauvres. Cela signifie donc de ne pas thésauriser, donc amasser maladivement et indéfiniment. Donc, on doit se questionner essentiellement sur notre style de vie qu'on va choisir pour nous-mêmes et pour notre famille. Et ça devient un choix personnel, mais un choix qu'on devra rendre compte devant le Seigneur.
dans un temps aussi où la crise environnementale ne nous lâche pas, hein? On est tellement conscient des problèmes au niveau de l'environnement, de la création, des ressources qui se font plus rares. Notre façon de consommer aussi, notre style de vie doit être examiné. Je mentionnais dimanche, en fait, j'ai été sortir le chiffre exact. Au Canada, le 15 mars était une date spéciale. Est-ce que vous connaissez la notion du jour du dépassement? C'est un concept qui a été inventé qui cherche à calculer à quel moment une région, une province, un pays va dépenser la totalité de ses ressources pour répondre à la demande, au-delà de la capacité de cette même région de se renouveler ou de la création de se renouveler d'une manière saine. Au Canada, le jour du dépassement a été atteint en 2024, le 15 mars dernier. Tout le reste de l'année, on vit à crédit. Autrement dit, on peut maintenir notre train de vie soit en épuisant davantage les ressources de notre pays ou en allant prendre les ressources d'autres pays. Et si le monde entier vivait comme les Canadiens vivent, il nous faudrait 4,9 planètes pour répondre à la demande. Ce qui veut dire qu'on vit au-delà des moyens de la création, de se régénérer et de répondre aux besoins de l'humanité. Les chiffres, 50% du produit qui vient de l'extérieur, juste dans la nourriture, c'est un pays complètement. Toutes les amendes qui sont dans les impôts sont pour payer 50% de la nourriture pour la moitié de la population qui font venir l'Ukraine, les terres arabes de l'Ukraine. Qui se nourrissaient là. Eux autres, ils ont lutté avec la guerre. Ils sont venus te chercher. Mais 50% de la population dépend des pays étrangers. Voilà. Beaucoup, C'est beaucoup de énorme. pays dépendent de l'aide internationale. Beaucoup, beaucoup de pays. De l'importation. De l'importation aussi, oui. Oui. Quelqu'un avait levé la main ou avait un commentaire? Oui. Moi, je voulais faire un dernier commentaire sur et comment Dieu a utilisé mes finances, l'éducation financière pour me former. Et moi, j'avais toujours, j'ai une relation particulière avec l'argent, comment gérer depuis toute petite, tout ça. Mais Dieu a vraiment utilisé et m'a discipliné à travers l'argent. Je travaille toujours, je vous dis, je suis très heureux, je travaille toujours. Mais pour moi, pour mon couple, parce que l'argent, c'est un sujet extrêmement sensible, que ce soit pour soi-même, que ce soit pour son couple, pour sa famille, quand vous parlez de style de vie et tout. Oui. Et Dieu m'a vraiment discipliné à avoir un budget, tenir un budget, comment acheter, comment consommer, comment élever les enfants. Donc, cette façon d'être toujours intentionnel. Par rapport, Dieu m'a vraiment discipliné pour être intentionnel. J'y travaille beaucoup, mais cette discipline nous a permis, Nixon et moi, d'avoir des conversations sur des projets. Et ça nous a fait un peu bizarre parce qu'en Haïti, bon, on dit, on a des potes conjoints, on a tout, mais quand on est venu ici, c'est comme si ça étonnait les gens qu'on ait, que tous nos potes soient conjoints. Donc, La perspective chrétienne est différente, la hein? perspective financière est différente et nous on comprend que parler d'argent, voir ce que fait l'autre avec notre argent, savoir comment l'autre dépense l'argent, en parler, faire des petits, tirer l'oreille un petit peu, établir des projets, on ne peut pas avoir de projet sans finance. Et l'éducation financière, les gens mettent ça hors de ce que Dieu peut faire avec l'éducation financière, mais l'éducation financière, la gestion de l'argent, je pense que c'est l'un des moyens que Dieu utilise pour nous discipliner. Absolument, oui. Pour nous discipliner. Et on peut pas donner si on est, si on n'est pas en paix avec l'argent, si on n'est pas en paix de la façon dont on utilise l'argent. Et tout ça, c'est un cheminement de 10 ans.
dans lequel que je suis actuellement, je me suis beaucoup, c'est comme disait l'auteur, on a vu tout ce qu'on a fait, mais on regarde devant. Mais je dis vraiment que l'argent, la gestion de l'argent, toute notre réflexion autour de l'argent qui est tellement centrale pour notre vie, Dieu l'utilise. Il faut laisser Dieu rentrer dans ça, lui demander comment nous guider. Même quand on rentre dans un magasin, qu'on a envie d'acheter quelque chose, il faut prier. Il faut vraiment prier. Et il faut trouver les bonnes. Il y a beaucoup de ressources chrétiennes qui peuvent nous Oui, aider. Il exact. faut chercher, comme le pasteur l'a dit, Paul a appris. La bonne gestion, on a l'université pour ça, pour tout ça. Mais il faut aussi apprendre qu'il faut lire des livres sur ça, utiliser les fichiers Excel, Il y a apprendre, bien il des faut ressources, oui. utiliser les ressources et Dieu va vraiment bénir cet effort d'apprentissage. Moi, je l'ai fait. Il va vous apprendre comment communiquer sur l'argent. Et Exact. Il y a beaucoup, beaucoup. beaucoup de C'est un choses. domaine important. C'est pour les couples, c'est parfois des sujets de tension, hein, dans les nombreux sujets qui peuvent créer une dissension ou des tensions dans un couple. L'argent est un enjeu majeur. Donc, de venir ensemble devant les Écritures et de chercher à avoir une vision commune, un engagement commun, c'est tellement, tellement important. Le temps avance. J'aimerais terminer une dernière remarque. Ouais, j'ai une remarque qui est une chose intéressante, c'est qu'en devenant chrétien, il y a beaucoup de choses qui changent dans la façon de voir l'argent, la façon de voir où est-ce qu'on va investir nos sous, c'est-à-dire investir dans ça, et puis donner de l'importance aussi à certaines choses qu'il n'y en avait pas. Et puis, il y a d'autres choses qui n'ont plus d'importance dans où là où on va mettre notre argent. Je pense que la première chose que tu nous fais faire pour nous discipliner, c'est au niveau de l'argent, de ce qu'il nous donne comme ressources pour avancer. On ne peut pas tout dilapider. On ne se sent plus la liberté de dilapider parce qu'on jette les biens de Dieu. Exact. Et s'il Et nous a donc, donné des sous, ce n'est pas à nous nécessairement. Oui, c'est intéressant d'avoir manipulé un peu d'argent, mais en bout de piste, ce n'est pas à nous. C'est donné vraiment, on est des canaux de distribution. Et puis, on fait attention quand le salaire rentre, où est-ce que ça va aller, les fichiers Excel, ça, je l'ai aimé, Alors, celle-là. L'organisation. ça serait intéressant, je pense qu'on voudrait même continuer. J'ai moi-même fait une partie seulement de ce que j'avais préparé, mais j'aimerais vous laisser avec ces paroles de Paul qui laisse à Timothée. Après avoir parlé des dangers de l'amour de l'argent, pas les dangers de l'argent, mais de l'amour de l'argent, il va quand même ajouter ceci. Aux riches de ce monde, écrit Paul à Timothée, ordonne de ne pas être orgueilleux, et moi j'ai réussi, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance. Pourquoi? Pour que nous en jouissions. Tiens, C'est bon, ça. ordonne-leur de faire le bien, d'être riche en belles œuvres, de se montrer généreux, prêt à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Donc, il y a un équilibre là aussi, hein? Intéressant. Et je vous invite à revenir sur ce texte-là, le méditer, 1 Timothée 6, 17 à 19, le chapitre au complet. 1 Timothée 6, 17 à 19. Et on verra à un autre moment comment le Seigneur s'attend à ce que nous donnions. Là, on cite particulièrement notre libéralité. On va voir un peu les attitudes que le Seigneur va regarder dans le cœur. Et dans le sermon, dans 2 semaines, on va voir l'impact qu'une vie d'obéissance dans le domaine de nos biens matériels, de notre finance, peut avoir à la fois sur Dieu, sur les gens qui en sont les bénéficiaires, mais aussi sur nous. On regardera ça ensemble. J'inviterai peut-être deux frères
un frère, une sœur, deux sœurs, à demander la sagesse au Seigneur et de bien vivre ces enseignements-là dans notre contexte. Est-ce que tu veux pour prier ou pour partager? Oui, non, c'est un partage, ça va être super rapide parce que je sais que le temps avance. Par rapport à ce que vous venez de dire, là, par rapport à la sagesse, j'ai Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement sans faire de reproche, mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule. Fait que vraiment, de le demander, mais avec ses convictions puis avec foi. Puis c'est un verset que j'ai découvert, je pense, hier ou avant-hier, puis il n'arrête pas de revenir tout le temps. Puis je trouve qu'il est vraiment beau. Puis j'ai peut-être un petit challenge aussi à vous donner que je fais depuis une couple de temps puis que je partage au monde. Le matin, là, quand vous priez, mettons, demandez à mettre quelqu'un sur votre route pour pouvoir partager la parole. C'est assez impressionnant, là. À date, là, j'ai une couple de témoignages, là, qu'il y a des gens qui l'ont fait, dont moi-même, puis c'est impressionnant. Faites ce petit challenge-là. Après ça, quand vous vous réunissez, ben, parlez-en, voir qu'est-ce que ça a donné. OK, Mais merci. vraiment, à chaque jour, c'est assez cocasse parfois. Merci, Anne nous utilise. Oui, je comprends parce que je l'ai fait suite à son conseil. Ça a marché aussi. Hein? Amen. Psychiatre, j'ai Amen. envie de ça. Hey, Alors, ceux qui il y a un veulent. char qui est tombé en panne direct devant son entrée. C'est pas des blagues, Dieu est grand. Amen. Là. Alors, Manquez de gaz. si Eric veut dire merci au Seigneur, merci pour sa providence et demander cette sagesse, justement. Prenons le temps maintenant. Comme ça a été dit, ce n'est pas juste dans le parler, mais c'est dans le faire aussi qui va être important. Seigneur, merci. Merci pour ce bon moment que nous avons passé ensemble à nous rappeler que tes bontés et tes compassions ne sont pas à leur terme, qu'elles se renouvellent chaque matin. Que tu es avec nous dans tout ce que nous faisons dans ta générosité. Mais aussi, nous te demandons de nous donner le courage de la discipline, d'enlever autour de nous toutes les distractions, de nous permettre, Seigneur, grâce à ton esprit, cet esprit de force et de sagesse, cet esprit de conseil, mais aussi et surtout cet esprit de connaissance et de crainte de toi, Seigneur. Car nous savons que cette crainte de te déplaire, pas cette peur, mais la crainte de te déplaire, la joie de t'obéir, de vivre selon tes principes, Seigneur, de vivre ta générosité et de te donner gloire à travers notre générosité. Seigneur, montre-nous, ouvre nos yeux par rapport à tous les dons que tu nous as faits. Et montre-nous, Seigneur, comment les utiliser pour ta gloire et pour ta gloire seule. Parce que c'est pour cela que nous avons été créés, pour ta gloire. Seigneur, merci pour ce moment d'adoration. Nous te demandons de bénir les leaders de cette église, de bénir chaque personne ici et de bénir leur ministère particulier. Merci Seigneur de subvenir à tous nos besoins et de faire au-delà de nos espérances. Mais aussi Seigneur, donne-nous le courage d'agir et le courage de discipline au nom de Jésus. Amen. Amen. Céleste, merci pour ces rappels salutaires par rapport à la générosité, par rapport à la gestion de l'argent. Et combien c'est facile de réaliser que un grand nombre d'idoles de l'Antiquité ne sont plus présentes dans notre société aujourd'hui, mais par contre, l'argent, ben pour tellement de personnes et si facilement aussi pour nous, ça peut être et rester une idole. Seigneur, aide-nous à déraciner son pouvoir de telle sorte qu'elle ne soit pas notre maître, mais devienne un serviteur pour ta gloire. Hein. Aide-nous aussi à te mettre toi, notre Père Céleste, notre Créateur, à la place qui te revient. Seigneur, c'est de cette manière qu'on arrive à déraciner les idoles, c'est quand on te met toi à leur place et quand on
quand on dépend de toi pour nos besoins, quand on te fait confiance avec foi, avec espérance, avec amour. Un Seigneur, solidifie notre relation avec toi, que nous puissions vivre et avancer dans ce monde sans inquiétude, sachant que nos vies, t'appartiennent, sont entre tes mains. Et Seigneur, que ce soit cela qui soit notre sécurité, notre valeur, notre joie. En Jésus. Amen. 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 Et merci. Merci pour le bon temps d'échange. Le Seigneur vous bénisse dans la mise en pratique.